Je vous dis pas au revoir, mais... C'est bien, on chante bien. Il met de l'ambiance et tout ça. C'est un spécialiste, vous voyez, moi quand je l'ai connu, il a animé les croisières sur la mer du Nord, tout ça. Et il continue à faire donner de son corps et de sa voix surtout. Et c'est un spécialiste de la chanson française. C'était un des meilleurs amis de Pascal Sevran. Vous vous rappelez? La chanson, chanson. Tintin, hein, Tintin, on est bien Tintin. Bon, allez, alors maintenant, la chaise, elle reste là ou pas? Attention, on a besoin de la chaise ou pas? Non. Oh non, parce que l'artiste qui va arriver maintenant ne s'assoit pas. C'est la plus jeune, vous allez voir, c'est la représentante de la jante féminine à l'accordéon. Pour moi, je vais vous dire un truc, parce que je dis toujours ce que je pense, vous savez, hein, je ne me gêne pas. Hein. Et donc, pour moi, c'est la plus belle et la meilleure accordéoniste de France. Vous avez de la chance quand même de l'avoir. Hein. C'est la première fois qu'elle vient ici au Théâtre Municipal de la Ville. Elle fait beaucoup de thé dansant, beaucoup de galas, mais pas beaucoup de festivals comme nous on fait. Et vous l'avez vu plusieurs fois à la télévision depuis de nombreuses années. Et j'essaie toujours de la faire venir, mais elle est du Sud, vous voyez. Comme dirait Michel Sardou, je suis du Sud, vous voyez. Et donc c'est loin pour eux. Et alors j'essaie toujours de les faire venir pour vous satisfaire et pour faire un programme varié chaque année. Donc on me l'applaudit très très fort, chers amis, je compte sur vous. Pour lui envoyer une salle d'applaudissements magique, Amandine Musiquini. Mesdames, Messieurs, je suis ravie d'être avec vous cet après-midi. Tout le monde va bien, ça va? Oui. Ça se passe bien? Oui. Très très bien. On continue alors? Oui. Ils ont dit oui. Moi, je vais vous emmener en Espagne d'abord pour commencer avec le très très célèbre Paso Doble. Et donc, on est parti, le Paso Doble. Thank you.
Merci beaucoup. On va tourner, j'allais dire, on va tourner, on tourne pas d'ailleurs aujourd'hui. On va tourner virtuellement. La valse Musette, c'est une toute nouvelle valse, composition d'un certain Alain Musichini et d'un certain Michel Poulon. Ça s'appelle Reine d'accordéon. Allez, c'est parti. Thank you.
On reste dans les îles? Ah oui, c'est bien, ça me chauffe. Allez, c'est parti, le célèbre, vous allez voir, vous connaissez forcément, Tico Tico. Allez, ça va.
Merci. Allez, qui dit Musichini dit Italie, hein, forcément. Et qui dit Italie dit Tarantelle. Tarantelle, merci. Allez, dis-moi, force! Thank you.
Merci. Alors, on va retourner en Espagne. Petit paso doble encore. Hein. Un joli paso doble qui s'appelle Terre d'Espagne. Allez, roulez, roulez. Thank you.
Alors pour la dernière, mes amis, je compte sur vous. Je vais vous faire un morceau. Ça s'appelle la Bimboleta et c'est la seule musique, danse, qu'on peut danser assis. Donc aujourd'hui, c'est impeccable. C'est vrai, hein, c'est vrai. Il y a juste à lever les bras. Je vais vous faire une petite... alors pas trop haut, hein, n'êtes pas obligé non plus. Je vais le lancer. Je vous explique. Et je continue. Vous êtes prêts? Allez, bim, vous les temps. On se prépare. La main droite, la main gauche. C'est très simple. Facile, on continue. Je peux voir tous les bras, c'est parti. Bimboleta.
Ça ne vous empêche pas de taper dans les mains. Non plus. Et de lever les bras. Et de plier les genoux. La gauche, la droite. Ok. Allez, je vous laisse avec le monde. Et ben, petit Fox. Thank you.
Merci beaucoup. Bravo. Et un public très très fort. Un ami, venu pour vous aujourd'hui. Je signale que ceux qui m'ont pas trouvé tout à l'heure leur donneur avec son CD, voilà, vous le trouverez tout à l'heure à la fin de la sortie. Elle sera dans les marches pour vous donner une photo. Bon.